Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Michel Fitoussi. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Vous venez de publier un livre extrêmement touchant, La famille Pantin, aux éditions Stock. Qui est la famille Pantin? En fait, c'est la famille de Pantin. C'est la famille du cimetière de Pantin. C'est ma famille. Et pourquoi la famille de Pantin? Parce que ma tante, avant les fêtes, avait toujours cette image quand elle nous envoyait un petit mot sur le groupe WhatsApp de ma famille en disant « il est temps de rendre visite à la famille de Pantin ». Et cette famille de Pantin, c'était mon grand-père et ma grand-mère maternelle, ma mère, mon oncle et ma tante bien après qui sont enterrés là-bas. Et donc, moi, ça m'a toujours amusé cette dénomination, mais à travers donc mes aïeux, enfin mes ascendants très directs, je réfléchissais très souvent à pourquoi sont-ils enterrés là, qu'est-ce qui a fait que ils sont venus et pourquoi. J'avais des bribes de réponses évidemment, hein, et j'en ai toujours eu, mais il y a eu un moment où j'ai eu besoin de fixer cette histoire, l'histoire des Juifs de Tunisie, l'histoire de l'exil, l'histoire de ma famille en Tunisie et plus généralement l'histoire des Juifs de Tunisie, qui est connue bien sûr, mais qui n'est pas si connue que ça, et en particulier par les Juifs de Tunisie eux-mêmes, qui connaissent des morceaux de leur histoire, mais qui ne connaissent pas tout. Le judaïsme tunisien est un judaïsme ancestral. De quelle manière le viviez-vous en Tunisie? En fait, quand le protectorat français s'est installé en 1881, il a entraîné avec lui de très bonnes choses et de très mauvaises choses, comme toute colonisation, mais dans les bonnes choses, en tout cas pour les Juifs, qui avaient été très longtemps, pendant un siècle, soumis au statut de dhimmi, une émancipation. Ils avaient été émancipés un petit peu avant, mais une véritable émancipation. Et les Juifs, à ce moment-là, certains Juifs, en tout cas dans ma famille, ont commencé à sortir du ghetto, de la Hara où ils vivaient. Et puis, beaucoup se sont appropriés la culture et les mœurs françaises. Un certain nombre se sont naturalisés français quand la loi Morino les y a autorisés en 1923, dont ma famille, des deux côtés, même s'ils ne se connaissaient pas. Et donc, la pratique religieuse s'est vraiment estompée. C'est-à-dire que la judéité, pour reprendre le terme forgé par Albert Memmi, la judéité était très présente, et puis ça dépendait. Par exemple, ma grand-mère achetait sa viande cachère, mais mon grand-père mangeait du fromage et ça ne le dérangeait pas, il travaillait le samedi ou jouait aux cartes le samedi. Enfin, c'était vraiment à géométrie variable. Et moi-même, avec un père de gauche, plutôt militant, plutôt proche et sympathisant du Parti communiste, je n'ai pas du tout été élevée dans la religion. Pas du tout, ni ma sœur, ni moi. Donc on a eu un judaïsme de briques et de brocs, si j'ose dire. Et en tout cas, en Tunisie, où j'ai vécu 5 ans, dans notre milieu, dans notre famille, c'était beaucoup moins prégnant que dans d'autres milieux. En travaillant sur ce livre et donc sur votre famille, vous avez pris conscience, comme tout juif tunisien, qu'en fait, la religion n'était pas du tout pratiquée de la même façon à Tunis qu'à Djerba, qu'à Sousse. En fait, j'ai surtout pris conscience d'une chose très importante, qu'on dit les juifs tunisiens ou les juifs de Tunisie, on devrait dire plutôt les juifs de Tunisie, parce qu'il y avait des juifs tunisiens, mais il y avait des juifs français, il y avait des juifs livournais, il y avait même des juifs anglais, donc c'était vraiment une mosaïque. La Tunisie, vous savez, est une mosaïque, on le disait en tout cas, était une mosaïque à l'époque, une mosaïque de communautés, il y avait aussi des Grecs, il y avait des Italiens. J'ai surtout pris conscience, disais-je, qu'il n'y a pas les juifs tunisiens, c'est comme il n'y a pas les femmes, il y a des juifs tunisiens. Et vous savez, il y avait 100 000 juifs en Tunisie avant l'indépendance. Il n'en reste aujourd'hui que 1500, dont 1200 à Djerba. Et Djerba, on peut dire que c'est le garant de ce judaïsme tunisien, même s'il est très particulier, parce que très religieux, très orthodoxe. Mais les juifs de Djerba se sont regroupés autour de la Griba, dont on dit qu'elle a été la plus vieille synagogue du monde. Et donc, ils restent là, comme ils ne partent pas, ils sont là comme des garants. Voilà, c'est les derniers des Mohicans. Vous avez écrit beaucoup de romans. Pourquoi ce roman, aujourd'hui, vous aviez besoin d'un retour aux sources? Alors, j'avais besoin d'un retour aux sources. Ça fait longtemps que j'y pense, en réalité. J'avais fait une tentative il y a une trentaine d'années, mais bon, qui n'avait pas abouti. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est le moment. Alors, c'est probablement mon âge, peut-être parce que aussi j'ai un petit-fils et des enfants à qui je voudrais transmettre qui je suis, qui j'ai été.
On va dire, et pour reprendre le titre de votre émission, c'est en fait le livre de mes origines. C'est-à-dire que je reviens sur qui je suis, ce qui m'a forgé, pas seulement en Tunisie, mais en réalité dans mes convictions, dans mes combats. Et je reviens aussi, tout en racontant très peu de choses, mais des souvenirs d'enfance de la Tunisie, puisque j'en suis partie quand j'avais 5 ans, et puis quelques souvenirs d'en France, quand je suis arrivée dans le pays et qu'il a fallu pour mes parents et pour tous les exilés tout reconstruire. Mais moi, c'était acquis. J'étais française, donc il a fallu juste que je me fasse une petite place dans ce pays qui nous accueillait. À travers votre récit qui raconte donc l'histoire des Juifs de Tunisie, quelle est selon vous, vous qui êtes une femme de lettres et de littérature, la différence entre les Juifs de Tunisie, les Juifs du Maroc, les Juifs d'Algérie? Selon vous, il y a une vraie différence? Il y a des différences qui tiennent d'abord à la politique, c'est-à-dire que les Juifs, le Maroc comme la Tunisie, étaient un protectorat. Les Juifs marocains étaient des sujets du roi du Maroc. Ils n'ont jamais pu acquérir la nationalité française à l'époque où ils vivaient au Maroc. Ceux qui l'ont fait, l'ont fait en France. Le judaïsme marocain était beaucoup plus fort, beaucoup plus prégnant qu'en Tunisie ou en Algérie. Les Juifs algériens, à partir du décret Crémieux de 1870, sont devenus des Français. Ils ont tous été naturalisés Français. Donc, en tant que tels, ils se considéraient comme des Français. Et moi, je me souviens, avec beaucoup d'émotion, du père d'une de mes amies qui était juif d'origine algérienne, des rapatriés, comme on disait, qui m'accueillaient toujours quand je venais chez eux goûter, puisque j'étais dans le même lycée que mon ami. J'étais enfant, j'avais une douzaine d'années. Ah, voilà la petite arabe. Comme si les Juifs d'Algérie, eux-mêmes, les Français, jetaient un œil, un condescendant aux Juifs de Tunisie qui, eux, pour des raisons très politiques, parce que ça avait été très compliqué, le décret Crémieux en Algérie, n'ont pas pu, eux, bénéficier de ce dont les Algériens ont bénéficié. Donc, il y a eu beaucoup de tâtonnements et finalement, cette fameuse loi Morino de 1923 leur a permis de devenir Français, enfin, à ceux qu'ils souhaitaient. Et il n'y en a pas eu tellement, il y en a eu 25 000, en tout et pour tout. Mais donc, il y a cette différence-là de statut. Et puis, il y a peut-être aussi, alors, pourquoi pas, je pourrais le dire, la différence de nature entre... Je ne vais pas faire je vais pas encore faire de généralité, mais c'est des sujets de plaisanterie, évidemment, chez les Juifs de Tunisie. C'est nous, on est très sympathiques et les autres sont des rikiks, entre guillemets, des antipathiques. Mais bon, ça, je ne ferai pas injure à tous mes amis juifs du Maroc ou juifs d'Algérie de penser que c'est la vérité. Vous parlez beaucoup de femmes dans votre famille, votre mère, la tante Pim. Quelle était, selon vous, leur place dans la société de l'époque en Tunisie? Pas génial, hein, franchement. Pas génial, c'était... franchement, c'était une société patriarcale. Les femmes avaient beaucoup d'importance dans la cuisine. C'est la place que prenaient mes deux grands-mères, par exemple. Pour ma mère et ma tante, nées dans les années 30, l'une au début, l'autre à la fin, l'une a fait des études, l'autre pas, mais c'était compliqué. En fait, en réalité, on devait se marier, on devait faire des enfants, et c'était ça qui était le plus important. Les femmes qui ont fait des études, enfin, par exemple, dans la génération de Gisèle Halimi, qui était de la génération de mon père et qui est devenue l'avocate que l'on connaît, la féministe que l'on connaît, ont dû conquérir leur diplôme de haute lutte. Moi, j'ai une amie qui me racontait comment sa mère a dû ruser pour passer son bac et pour aller à l'école parce que les parents ne voulaient pas. Ça servait à rien. Les filles étaient là pour se marier. Donc découle un certain nombre de choses. Ma grand-mère me disant, par exemple, qu'il fallait servir son mari. Et moi, je lui disais, mais pourquoi lui, il ne me servirait pas? Ça a alimenté, je crois, et ça a été les prémices du féminisme auquel ma sœur et moi avons adhéré très jeune, adolescente. C'était après les années 70. Il y avait les années 70 qui sont arrivées. On était en France et on a tout de suite adhéré à ces mouvements. Mais je suis sûre que la façon dont ma mère, ma grand-mère ont été élevées, pas nous, hein. À l'époque, c'était fini. Nous, mes parents nous ont poussés à faire des études et c'était évidemment une autre histoire. Mais je suis sûre que ce féminisme naissant doit beaucoup à cette situation des femmes et à ce patriarcat observé en Tunisie. Elles n'étaient pas malheureuses, entre guillemets. Celles qui avaient la chance d'avoir un bon mari étaient heureuses. Mais en réalité, elle dépendait de cela, d'avoir un bon mari, une belle situation, etc. C'était un peu compliqué. Vous dites dans votre roman éprouver de la tristesse, vous dites « je suis nostalgique de la nostalgie ».
Oui, c'est-à-dire que je suis nostalgique du temps qui passe en réalité d'abord, et du temps qui est passé, sur ces gens, sur ces traces qui n'existent plus ou presque plus. Il y avait quand même, je vous l'ai dit, 100 000 juifs en Tunisie. Quand vous retournez là-bas, il n'y a plus rien. Il y a des enseignes où on trouve des noms. Le cimetière est abandonné. Donc il y a cette nostalgie-là de ce qui a été, qui a été florissant, qui a été vraiment des moments exceptionnels de cette vie des Juifs en Tunisie et qui n'existe plus. C'est cette nostalgie qui est au fond très littéraire. Vos parents quittent la Tunisie comme la grande majorité des Juifs, en laissant derrière eux tous leurs biens, n'ayant pas le droit de les faire sortir. Ça vous laisse quoi comme souvenir, ça ? Alors, moi, je suis partie à 5 ans, et comme mes parents étaient français, c'était un petit peu différent, parce qu'il y avait effectivement les Juifs tunisiens qui ont eu tous ces problèmes très compliqués. Les Juifs français, ça a été un peu plus facile pour eux, en tout cas, de sortir. Mon père est arrivé en 59. C'est vrai qu'il était avocat, qu'il partageait son cabinet, il était associé avec un avocat tunisien musulman, qu'à un moment donné, c'est Farid Jamal qui plaidait parce qu'on ne pouvait plus plaider en français mais en arabe. Donc il a dû laisser son cabinet à Farid, qui d'ailleurs était son ami et qui l'a accompagné avec beaucoup de tristesse et de chagrin quand il est parti. Donc on est parti assez tôt, et au fond, dans ma famille et mes parents, il y avait tout à recommencer, c'était extrêmement triste, mais il y avait aussi l'idée d'une reconstruction, et comme ils étaient français, de culture française, ça a été peut-être un peu plus facile pour... Je ne dis pas que ça a été facile, hein. Je dis que ça a été peut-être un peu plus facile que pour d'autres. Mes grands-parents sont arrivés en 67, juste après la troisième grande vague de départ qui a eu lieu après des émeutes qui ont eu lieu juste au moment du déclenchement de la guerre des Six Jours. Là, mon grand-père a laissé son magasin. Ça a été plus compliqué. Ça a été difficile pour des gens qui avaient 70 ans de venir. Ils n'avaient rien. Et mon grand-père, qui était infirme, handicapé, a dû tout recommencer, ouvrir un magasin. Il faut tout refaire. Et les Juifs de Tunisie, comme ceux d'Algérie, du Maroc, d'Égypte et d'autres pays d'islam, sont allés de l'avant. Ils n'ont pas regardé en arrière, sauf les personnes âgées qui, pour elles, ça a été beaucoup plus difficile. Est-ce que justement, si pour vous, qui étaient quand même très jeunes, et surtout vos parents, est-ce qu'en Tunisie et en France, ils vivaient leur judaïsme de la même façon ? Je crois qu'ils étaient assez déjudaïsés, et je crois que la France les a déjudaïsés complètement. C'est à la génération, la mienne, la génération de mes cousins et de leurs enfants, que le judaïsme est revenu de façon assez forte. Voilà, moi, il y a des fêtes que j'ai apprises très tard, quoi, que je ne connaissais pas. Voilà, j'avais jamais entendu parler de Shavuot, par exemple. Oui, Rosh Hashanah chez ma grand-mère, mais c'est les plats. Alors, le judaïsme de ma famille, le judaïsme de la Tunisie, passe par la nourriture. C'est-à-dire que j'ai un très vif souvenir du msoki, qui est plat juif tunisien d'ailleurs d'origine livournaise, je l'ai appris en faisant des recherches, de Pessar, des poulets de Kippour, de tous ces plats que ma grand-mère faisait, que ma tante continue à faire, que je ne sais pas faire mais que j'aimerais tellement faire maintenant en commande chez le traiteur, qui sont vraiment partie prenante de ces fêtes-là, et ça a une importance. Et pour moi, même pour mes enfants, pour ma famille et puis pour tous ceux que je connais, pratiquants ou pas pratiquants. C'est très important. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, c'est que de la transmission. Oui. Et ça, c'est très important aussi, oui, dans la transmission. Oui. On parlait d'odeur tout à l'heure, mais l'odeur de la cuisine un soir de fête, c'est immanquable et c'est fondamental. Je vous conseille de lire La famille de Pantin, qui est un livre très bouleversant et très vrai. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.